Aujourd'hui, le ceviche de maquereau à l'avocat. Je vais commencer par vous montrer le geste, comment on lève un maquereau. Pour commencer, faites l'entaille en inclinant le couteau vers la tête. Vous retournez le couteau et puis on va traverser tout le maquereau en donnant une inclinaison légère au couteau pour bien racler l'arête. Pour parer les filets, petite incision sur le côté concave du filet pour enlever les petites arêtes. Puis vous le retournez et vous voyez ici, vraiment là, il y a toutes les arêtes qui sont longitudinales. On va passer le couteau à l'envers dessus dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va racler ces arêtes pour enlever le ventre et les arêtes. Alors il reste une étape, enlever la peau. Donc on fait juste une petite incision de nouveau et on racle la peau. Comme ça, vous gardez uniquement la chair. On va juste couper en cubes, en gros cubes, nos filets de maquereau. Voilà, une fois que l'avocat est épluché, vous lui faites une incision tout le tour pour pouvoir aller dégager le noyau. Je mets un petit coup de couteau dans le noyau. Ça permet de l'enlever beaucoup plus facilement. Et pareil, notre avocat, on va le couper en gros cubes de la même façon que le maquereau. On ajoute dedans les poivrons qu'on a épluchés et coupés en petits dés. Les dés de concombre. Et le piment. Pour l'assaisonnement, je mets un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel, un tour de moulin à poivre, bien généreusement. Je vais juste râper un peu de peau de citron vert et y incorporer un peu de jus. Et là, vous mélangez délicatement l'ensemble de la préparation. La recette du bonheur nous emmène au cœur du Beaufort 2024, sur la plage de Middlekerk West End. L'artiste Jeff Meyer chérit le béton. Il lui adjoint de la chaux et du sable pour transformer en œuvre d'art. Sur cette magnifique plage, son œuvre a le mérite de nous attirer. Puis, une fois à l'intérieur, elle suscite la curiosité de découverte du monde qui l'entoure. Une référence notable à la vénérable histoire du mur de l'Atlantique. Donc, on va dresser et on finira par parsemer notre recette avec la coriandre. Je vous présente le ceviche de maquereau à l'avocat.